Pour être heureux, jusqu'à la fin 2023, il suffisait de lire Proust et d'aller voir au Maurice Thuys, le grand musée de La Haye, la vue de Delphes de Vermeer, dont Proust, justement, disait que c'était le plus beau tableau du monde. Mais à partir de janvier ou février 2024, suivant la date choisie par mon éditeur, vous pourrez lire un petit roman que j'ai écrit et qui s'appelle, lui aussi, Le plus beau tableau du monde, histoire d'une exposition. Et dans ce roman, défile une myriade de spectateurs devant ce tableau. Ils sont érudits, proustiens, pas proustiens, jeunes, vieux. Et il y aura toute une intrigue et vous vous y retrouverez. Ou bien alors vous apprendrez, j'espère, beaucoup de choses sur Proust, Vermeer, la peinture et la vie.